Bienvenue sur We Do Biz, on est sur le salon des entrepreneurs à Paris avec Augustin Rudigoz, bonjour. Bonjour. Alors Augustin, Mobile, donc c'est la start-up, ça a un an et demi, c'est ça, deux ans ? Un an et demi, ouais, voilà. Travaille depuis deux ans, mais c'est disponible depuis un an et demi, ouais. Alors le concept, il est simple, on peut gagner de l'argent en faisant ses courses, comment ça marche ? C'est vrai, ouais, t'as tout dit. Tout simplement, on propose aux particuliers comme toi et moi, on a plus d'un Français sur deux aujourd'hui qui a un téléphone dans sa poche, pourquoi pas l'utiliser pour prendre des photos et gagner de l'argent ? Comment ça se passe? C'est tout simplement, vous allez dans un magasin, on vous propose via l'application de noter le prix de tel ou tel produit, prendre une photo, de voir si la publicité du nouveau produit en question est bien présente et d'envoyer les résultats. On valide les résultats. On devient enquêteur pour les marques, pour voir si leurs produits sont bien positionnés. Exactement, au bon prix. Tout à fait, pour les marques, pour les enseignes elles-mêmes, parfois, donc on est capable de, par exemple, ça va même jusqu'à remonter les horaires d'un magasin, différentes questions que dans son parcours au quotidien, en se promenant, en passant dans des magasins, on peut empocher 4, 5, jusqu'à 10 euros par magasin visité. 4, 5 jusqu'à 10 euros par magasin visité. Donc j'imagine qu'on s'inscrit sur mobile-app.com. Exactement. On a plus de 18 ans, on peut y aller. C'est parti. Voilà. C'est parti. Alors on va parler un peu de votre aventure entrepreneuriale. C'est sur Edwiz, on aime bien parler de l'aventure entrepreneuriale. Un an et demi, vos clients, c'est des grandes boîtes. On entend souvent que quand on crée une entreprise, c'est dur de travailler avec des gros. Est-ce que c'est vrai? Comment vous avez fait? Au début, c'est pas forcément évident, effectivement. Surtout que nous, on est une équipe jeune, on est 4 associés, on a entre 24 et 30 ans maximum. Donc effectivement, quand je vais voir un directeur commercial d'une grande marque que tout le monde connaît, pas forcément évident d'arriver et de lui dire « je vais révolutionner ton business, fais-moi confiance ». Bonjour, je suis personne, je suis un gamin, mais c'est moi le meilleur. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu le discours, grosso modo, on a fait deux rendez-vous comme ça, on a vite compris, maintenant on a adapté le discours. L'idée, c'est plutôt d'aller vers un partenariat. C'est par contre là où il nous faut confiance et qu'ils sont persuadés que les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup à leur business. L'idée, c'est d'apporter cet aspect jeune, dynamique. Ce qu'ils apprécient chez nous, c'est quand même la réactivité. C'est là où parfois, eux, pour collecter de l'info, il faut qu'ils valident en interne, que tel ou tel collègue valide et que finalement l'info soit communiquée. Nous, ils nous appellent. Le lendemain, l'info, elle est présente sur le bureau, envoyée par email. C'est la réactivité, c'est la nouvelle technologie. Et finalement, la jeunesse devient un atout. Parce Exactement. Qu'ils savent bien que c'est les jeunes qui sont capables de créer des applis de ce type-là. Vous êtes combien de fondateurs ? On est 4 fondateurs. Donc de 4 à 15. Exactement. Quasiment en autofinancement. Vous êtes quand même soutenu par le réseau Entreprendre. On est soutenu par le réseau Entreprendre. On a été lauréat d'un ou deux concours, 100 jours pour entreprendre notamment, où on a gagné un petit chèque qui permet quand même de beurrer les épinards. Donc 100 jours où on a dû se croiser, réseau Exactement. Entreprendre, où on s'est sûrement croisé Tout aussi. Tout à fait. Voilà. Donc des soutiens qui sont plus des soutiens associatifs. C'est du soutien associatif. Mais qui vous a aidé en fait à démarrer le projet avant peut-être d'aller un jour vers des financements plus importants. Mais déjà, 15 personnes en 2 ans sur presque de l'autofinancement, c'est beau. Ouais, c'est une belle expérience. On est parti, c'était aussi le but de s'associer à 4, de pas forcément aller faire un premier tour de table trop rapidement. Il fallait prouver le modèle et avoir des billes pour ensuite aller faire en effet le fameux tour de table. Fallait prouver le modèle, fallait faire tourner. Après, on a eu la chance de rentrer rapidement de 3 clients. On a un portefeuille de 50 clients aujourd'hui. La chance ou l'énergie? On va peut-être parler les d'énergie. Deux. Clairement. Les deux. Il faut une part y a de un chance. Un peu les deux. C'est voilà, vrai. Exactement. Mais en tout cas, c'est une belle conclusion. De la chance et de l'énergie pour Mobile, donc qui vous permet de gagner de l'argent en faisant vos courses. Une belle start-up montée par Augustin et ses associés. Merci pour votre témoignage et à très bientôt sur We Do Biz. Merci, à bientôt.